Elle lui. Quoi ça? C'est un pigeonnier. Cette place, elle a été aménagée. Des pierres de rivière, etc. Okay. Qui faisaient dans le temps la calade. Les girofles. Ça, c'est joli, on voit. Petit à petit, cette forteresse s'est transformée en palais, en résidence. Parce que. Elle m'a fait. Alors, ici, la première route a été conservée en 1982. Après la première muraille qui a été bien conservée, le muraille de la cité épiscopale, bien entendu, qui est matérialisée. Et ces six quartiers avaient tous une tour de vue. Alors cette église hein, a connu beaucoup de remaniements à l'époque gothique. Et donc c'est pour ça qu'on a un mélange de matériaux et un mélange de styles assez impressionnant dans cette collégiale. L'église Saint-Salvi. Nous sommes a été reconstruits au XIIIe siècle et malheureusement il ne reste qu'un trapézoïdal, il n'y a pas de quadrangulaire. Mais le problème était que pendant la Révolution française il a été vendu. Ici on a une fois de plus le jardin à l'intérieur. Mais auparavant, bien sûr, à l'époque des chanoines, il y avait des plantes sûrement médicinales. Alors, en soigner les gens, ben, il est mort à son tour. Le Guy de là-bas, j'ai appelé. Guy, sans vacher. Je pensais. Ah non, moi, la première.